ce qui arrive lorsque vous placez un glaçon à cet endroit précis de votre nuque est surprenant. Petite séquence bien-être sur le tribunal du net. Aujourd'hui, on vous propose de partir à la découverte du point Feng Fu. Ce point se trouve juste en bas de votre crâne, à l'arrière, en haut de votre nuque. En basculant doucement votre tête en arrière en mettant votre doigt sur cette zone, vous allez très vite le repérer. Ce point fait partie des points de pression utilisés en réflexologie et en acupuncture notamment. Alors pas de panique, on ne va pas vous conseiller de vous planter des aiguilles ou que ce soit mais simplement de poser un glaçon sur ce point Feng Fu et de le laisser fondre. Une vingtaine de minutes donc. Au départ évidemment vous allez ressentir une grande sensation de froid. Mais cela ne va durer que quelques secondes. Ensuite, une grande sensation de chaleur va envahir votre corps. Mais alors, pourquoi mettre un glaçon sur ce point est si magique? Eh bien les expériences réalisées révèlent les bienfaits surprenants à ce geste simple. Tout d'abord on dort mieux. Les sujets font état de beaucoup moins de difficultés à s'endormir mais aussi d'un sommeil de meilleure qualité. L'humeur s'en ressent aussi. Ceux qui pratiquent ce geste fréquemment évoquent une meilleure humeur permanente, comme une sensation de bien-être enivrante et donc, une plus grande résistance au stress. Et ça de nos jours, c'est vraiment pas mal. Mais les migraineux aussi apprécient de mettre un glaçon sur leur point Feng Fu puisque cela diminuerait de façon significative les migraines qui seraient en plus de cela, moins intenses. Ce geste aurait aussi bien d'autres effets positifs sur notre corps comme l'amélioration de la circulation sanguine, la lutte contre les allergies, de peau et pulmonaire etc. Pour un meilleur effet, pratiquez ce geste le matin à genoux le soir avant de vous endormir. Si vous êtes un peu frileux durant l'hiver, vous pouvez aussi masser le point Feng Fu avec vos doigts. Cependant, les effets seraient moindres. N'allez toutefois pas penser qu'il s'agit là d'un remède miracle à tout. Pour tout problème de santé, il est évidemment impératif de consulter votre médecin. Ce geste simple s'intègre davantage dans une routine bien-être à mettre en place. Faites-vous du bien.